Mario! Bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau Mortal Realm, ce numéro! 78. Voilà, tadam! Avec deux socles. Deux gros socles. Voilà. Différents, un Ouais. ovale et un rond. C'est bien, tu connais les formes géométriques. Ouais, quand Et le même, un petit magazine, peu. il est comment le magazine? Je saurais pas trop dire triangulaire! Non, il est binaire. Ouais, voilà. Et Il ton est. cerveau, il est comment? Ouh, ouf, Bon, enfin bref, il est en trêve de huitième. conneries, hein. Nous allons. Bah. Présenter le magazine. Voilà, allez, c'est parti, bon Kiki. Donc, Vas-y. un socle pour la machine mortis. Ouais. T'es bugué. Ouais. Mais si, le kit qu'on a de filtre Ah ouais, numéro. les trucs tout. Voilà, les grands machins, oui, Machin. les Pas ce grands trucs. truc-là, mais l'autre. Voilà, pour notre, les trois derniers numéros. Je le vois pas. Si tu ne verras rien, il est pointé au milieu. Ouais, ce Voilà, ils machin-là. sont Ouais, toutes là. ok. Il y a un socle pour ça. Et le socle rond, c'est pour le Celestial Prime du numéro 79-80. Ok, ouais, les deux En fait, derniers. voilà, dans celui-là, tu avais les deux J'allais socles. dire les deux derniers épisodes, mais non, c'est les deux derniers. Là aussi, l'épisode qu'on filmera par la suite. Voilà, allez. Et bah, fin septembre, on aura fini Mortal Kombat surprise. Mais c'est rien, il y a Imperium qui Voilà, commence oui. et voilà. Voilà, Pour et après, il y le plus aura. grand plaisir de Lulu. Voilà, et des meubles aussi, ils vont se remplir. Son étagère ne ressemble plus à rien. C'est un Voilà. amas de grisaille plastique. Voilà, quelques touts de pain. 1% de pain sur 99% C'est déjà d'argent. bien. Enfin bref. Je répète toujours les mêmes choses, c'est chiant. Donc, les royaumes de Gur. Ah, Je sais ça pas c'est si c'est bien Gugnot qui orque. regarde. Ouais, c'est tout à Monsieur fait. Go. Gur, c'est guttural, c'est orque. On dirait un orque sauvage et là un Nirongai. C'est des orques avec leur armure jaune là. C'est des hommes lézards. Là, t'as un truc volant orque, des grosses bêtes, les mâches cruchotes, je sais plus Ah, t'en quoi. as un truc comme ça. Ouais. Contre un truc comme lézard. Le problème de Gur où la V3 du coup de Age of Sigmar se déroule en ce moment quoi. Et on a aussi eu le Warcry dans le même royaume avec les arbres, avec les épines. Tu vois? Le Warcry avec les arbres qui ont des griffes là. Oui, Bah ça se passe dans le même royaume en ok. fait. Dans le royaume de la bête. C'est nouveau parce qu'avant, t'avais pas le royaume de la Bah en bête. fait, t'as plusieurs royaumes, mais petit à petit, on se déplace dans différents royaumes. On a fait le royaume avec Nagash, là. Ouais. Si. Et mort-vivant, là, on arrive dans le royaume de la bête. Et il y a plusieurs royaumes, donc on se déplace. On a fait le royaume de la. De. Avec l'Ariel, je sais pas comment c'était. Le royaume des plantes. Ouais, Des elfes. enfin, évidemment, il y a un nom aussi, Guéran, je crois. Ce n'est pas bien, tu n'as pas appris ta leçon. Je sais pas combien de je j'aurais dit. Royaume de Guéran avec les elfes. Enfin, on avance comme ça dans l'histoire et puis on passe de royaume en royaume pour l'évolution, quoi. Bon, Puis monsieur Ambré, tu feras coco sortir les après. figurines, Allez, quoi. psst. Allez, Donc la cosmologie avec ici un orque. Beast Grave, la montagne vivante. avec mon nom de famille dedans. Voilà. Donc la montagne vivante. Ici on a la chasse. Essayez Chasse de de dire dix faucille, c'est fois faucille. La chasse chasse en sauvage de chaussette, chasse. voilà. Aller chasser la chasse sauvage sans chaussettes. Donc de skate. Une des bandes de Shadow Spear. Et ici les hommes bêtes qu'on avait aussi dans Shadow Spear. Les deux bandes s'affrontaient dans Shadow Spear, la saison de Beast Grave. Donc c'était le 3, je crois. La troisième. On a fait le déballage en live il y a quelques mois. Si vous allez entendre du bruit, ce n'est pas grave. Amber est C'est partie Amber. faire caca C'est dans parti faire sanitaire. popo. Ah ouais, on est arrivé là. Ça me Les perturbe du coup. voilà, les pas grand chose toi aussi. Ah, je sais Les pas. portes perdues et tenues. Ah oui, les portes qu'ils ont été tenues, c'est qu'ils ont perdu. J'avais tenu vêtements, je voyais pas le rapport. Ça c'était pendant la guerre des portes. C'est Amber. Ah, toi aussi, t'es La nuit, perturbé. le royaume Get War. C'était les quatre bouquins au tout début qui expliquaient l'affrontement de Harkonnen et des Stormcast pour prendre les portes en fait. Celui qui contrôlait le plus de portes pouvait contrôler le plus de points d'accès pour ses armées. Donc on voyait ici la porte du souffre-feu qui était protégée par Scabrand.
la porte de Genesis avec voilà Guiran, donc royaume des elfes. C'est un buveur de sang. Oui, c'est bien. C'est même le ce qui a les deux haches, qui a moitié éclaté, éclaté que j'ai commencé à prendre en rouge depuis 4 ans, je crois, qui est toujours en rouge. C'est pas moi qui avais sous-couché le bestiau. Si là, non, j'avais commencé à le faire. Ah, ok, je croyais que c'était moi qui l'avais. Non, toi, t'avais fait le prince démon. J'avais commencé à le faire. Mais je l'ai pas fini. Le prince démon, si tu l'as fini, mon prince démon. Ça fait longtemps. Ah. Ok. Ah non, c'est l'abomination. L'abomination de Skaven que t'as commencé, t'as pas fini, ouais. Oui. Donc la porte de Genesis, la porte de la fin. La fin, pas fin manger, mais fin. Oui, la fin. Et la porte de Mercure. Il n'y a pas la porte du début. Non, elle a disparu. Ça a pu. Le chevalier. C'est bon, on meurt, on a compris. Héraldor. Ouais. Faites les sonneurs de trompette. Il y a une jupe. Non, c'est un truc en métal. Hein. Ouais, c'est une jupe kilt. C'est un kilt métallique, voilà. Et sa trompette qui regarde dedans. Là. Il regarde dans une trompette. Ah, ouais, il y a deux variants. Il y a celui-là. Ouais. Qui t'a trompé comme ça. En fait, ils l'ont fait. Et il y a celui-là où tout le monde disait au lieu de souffler, regardez la trompette. Il y a beaucoup de gens qui foutaient de lui et regardaient du tout. Vous êtes en pas sorti un deuxième kit, tu regardes plus la trompette, justement. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques ombres des nains tueurs de lave, des Skaven, là. Des elfes lumineux. Puis là, c'est des troupes de cornes ici. Et je crois que c'est un Stormcast au milieu. Quoi? Ben, il a encore embêté Goliath. Ah, bah oui. Allez. Comment il balance le par terre. Du coup, je filme un peu. Ah, monsieur Gogo. Ils ont un meuble comme dessus, mais c'est chacun sa place dans le meuble et souvent beurre, il balance dans le meuble, par sur le meuble. Elle lèche sa femelle. Oui, parce que sa femelle toute plate. bref, donc l'équipement du chevalier Héraldor. Sa trompette, son épée. Donc, du coup, le clip, c'est l'inversé là, c'est là, par rapport à l'autre. Ouais, c'est ce que je voyais. On fait un inversion miroir, pas trop fort. Ouais. C'est Photoshop ça. Mais elle sert à quoi ça trompe? C'est un magicien? Un musicien? Non, c'est un musicien uniquement pour allier les troupes en fait. Okay. Tout. On va t'en souffler. Ouais, normalement, on voit sa bouche en fait, son casque au verre. Ah oui, d'accord, ouais, parce que sinon ça serait un petit peu. Il se ferait pas beaucoup. Il se ferait pas beaucoup sinon. Ils ont quand même pensé à deux tailles, c'est bien. Ils ont rigolé. La peinture, donc deuxième partie. Donc on avait la première partie dans le 70 et 76, et là c'est la deuxième partie de peinture. C'est quoi ça? C'est de la pâte à fixe pour maintenir les en... pour pas coller, pour pas peindre. Tu vois, ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Sinon, la colle, elle ne tient pas, en fait. Bah oui, si tu peins dessus, la colle, elle aura du mal à tenir. Mmh. Donc, on peint la cage, on peint les banshees, le socle, et après, le sous-assemblage, une fois c'est terminé. En fait, c'est que une peinture spectrale, en fait. La peinture spectrale. Donc, et le haut, tu vois combien coller dessus à la fin. Mmh. Et à la fin, donc le côté. En fait, la peinture là, ils m'ont même pas de. Ils retravaillent pas avec des brossages à sec ni rien. En fait. Juste la peinture qui fait ce qui fait là aussi. Ils font la base. Blanc, après ils m'ont le truc et puis c'est tout. Ah si, brossage à sec. Ouais, brossage à sec. Ok, ouais, c'est ça. Ils font juste une light hot, un brossage à sec en blanc, et c'est tout. Après, c'est un effet spectra, donc c'est trop pas. Ouais, brossage à sec après mais ça ouais, fait les reflets blancs. Brossage à sec, ouais. Ok, je viens. Le soclage, l'écran de texture, et ensuite l'autre élément du coup qu'on a fini, puis qu'on colle et qu'on colle dessus. Quoi. Ça paraît grand, mais en fait c'est que une peinture base et puis un brossage. Il n'y a pas encore beaucoup de trucs à peindre en fait, dessus. Et on n'a toujours pas peint. Voilà. Mais c'est prévu qu'on le fasse un dimanche prochain, septembre-octobre, on verra bien. Donc la machine Mortis. Donc, la fiche d'unité, et on peut voir dans la fiche d'unité qu'elle n'est pas dans l'armée des Antunis. Hein, des Nightpods. Il n'y a pas de Mouclis, c'est Nightpods. En fait, elle est dans l'armée des vampires. Donc, il y avait une demande en commentaire par rapport à ça, et on a la réponse ici, c'est dans les vampires. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que toute l'armée, c'est les Antunis, sauf la machine qui passe dans la gamme. Ils auraient dû mettre le carreau, ça aurait été plus logique, mais ça n'aurait pas fait le même prix, je pense. Les attitudes, comment ça fonctionne. En fait, le véhicule, on peut voir aussi, plus il a de dégâts, plus il avance moins vite, et plus il baisse en fait le niveau de capacité. Voilà. Les petites particularités des grands véhicules, des gros monstres. Le scénario, la machine de destruction, tant que les rituels sont finis, la machine est construite, et du coup, les Stormcast devront l'affronter.
le scénario, enfin le contexte où on en est actuellement, il y a un piaf, parce que la tête mange en maïs pas très bon. Ah d'accord, je croyais que c'était une bombe. Non, c'est un maïs. C'est un rat, c'est pas... Ah d'accord, c'est un rat. C'est un rat. Sa queue et... Un bec. Il y a des becs, toi. Ouais, mais il y a des dents, là, on dirait. Mais il y a un bec. Un rat, ça peut être bec. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est un rat roulant. C'est pas marqué. Non, c'est une créature de bizarre, des fois. Moitié rat, moitié oiseau. Transformant créature et récolte en monstre ou déterminissement entre la vie et la mort. Une créature de monnaie, quoi. Voilà, ici, fume. Donc le plan de bataille, avec ici on voit bien la machine Mortis en plus, les quatre tapis, et les deux derniers numéros, le Célestion Prime. Il est trop beau, celui-là. Laurent, donc, du coup je pourrais faire les variantes brosses, et on peut faire une variante brosse. Qui du coup sort deux numéros, sachant que le socle on l'a eu avec ce numéro-là. Voilà, voilà, c'était ce qui complétait, enfin ce qui montrait le 78. Et on se retrouve pour Imperium. Voilà. Là, s'il y avait le DAS sur le socle, en fait, mais je pense. Ah, c'est 2006. Et bon, c'est les années. C'est un des sous-standards, quoi, parce qu'il était comme ça, là, je fais longtemps. Et là, c'est pareil, la même année, quoi. 2013. C'est la sortie des socles. Enfin, c'est pour lui, ces socles-là, ils en sortent en série. Ouais, hein, bah oui, je pense. Voilà, là-bas, c'était pour 40 000 les socles ronds. Et voilà, voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour le 79. Allez, prenez soin de vous, salut! Au revoir!